Bienvenue dans Objectif Indépendance. C'est un fait, le temps qui passe ne joue pas en faveur de notre mémoire. Il faut donc continuer de la stimuler. Pour quelles raisons et de quelle façon? Réponse avec le docteur Olivier Deladoucette, gériatre et président de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Quel que soit son âge, notre cerveau est doué d'une qualité incroyable qu'on appelle la plasticité cérébrale. Lorsque le cerveau est stimulé, les neurones peuvent fabriquer des petites connexions qui permettent d'entretenir cette mémoire. Même quand on est très âgé, notre cerveau peut continuer à créer de nouvelles connexions. Quelles sont les activités les plus efficaces pour stimuler la mémoire? Il faut lutter contre la routine. Voyager est excellent pour la plasticité cérébrale. Varier les stimulations. Et puis, essayer de stimuler son cerveau en étant relié aux autres. Merci pour ces conseils et rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode d'Objectif Indépendance. Avec Adap Service, aide à domicile pour les personnes fragilisées.